Ici, c'est la série Tandem sur laquelle je bosse depuis 5 ans maintenant, que j'adore. J'adore ce projet. Humainement, il y a un truc qui s'est passé immédiatement avec les comédiens et les équipes dès ma première session. Et à chaque fois, c'est un super plaisir que de retrouver tous ces gens-là. À peu près tout. L'échange avec les comédiens principalement, la construction commune, avec les techniciens aussi. Je trouve que le travail d'équipe, c'est un truc qui m'a toujours éclaté. Et c'est vrai qu'à ce poste-là, c'est vraiment, évidemment, on est le chef d'orchestre, on donne la ligne directrice, et c'est aussi savoir se servir de tous les talents qui sont autour de soi, et le chef-op, et le cadreur, et le machinot, et l'ingénieur du son, et tous ces gens-là, et évidemment, les comédiens, avec qui je passe des moments assez incroyables. Je me marre derrière le combo, je pleure derrière le combo, et ça, j'adore. C'est que dès qu'on a terminé, on a très envie d'y retourner et on ne sait pas toujours quand on va y retourner. Ça, c'est un peu désespérant. Je crois que tu es un peu plus reculé. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais changer? Bah, je pense qu'on donnerait à peu près tous la même réponse. On aimerait tous avoir un peu plus de temps pour faire les choses, pour les faire avec un peu plus de sérénité et avoir le petit temps de maturation nécessaire à la création artistique, entre guillemets. Le temps est souvent plus important que l'argent, moi, je trouve. Donc, plus de temps, ce serait super. Les émotions que ça me procure et les émotions que j'espère procurer aux gens qui regardent. J'ai inventé le pastis shot, qui est le dernier plan avant la fête de fin de tournage pour se réunir autour d'un pastis, parce que je suis marseillais. Un mot de la fin sérieux, j'espère pouvoir faire ce métier jusqu'à ce que j'en crève. Et merci pour cette session à tous, bravo, merci, bravo.